先生这个故事呢，是日本作家伊东宽先生他的一个绘本改编。他原本是一个坏脾气的这个老先生，好，就好不容易啊，我把这个搬家搬到一个新别墅，我想要一个完美的草地，啊，上面不可以有枯枝，不可以有落叶。慢慢的呢，他的草地呢，吸引了很多的小动物，也想要住在这里。排长，排长。哎呀！他遇到这个大鳄鱼，鳄鱼说：“叫他躺在这个草地上去感受。”然后他就不敢不听鳄鱼的话。其实鲁拉鲁先生的草地就是希望说，让大家可以再去感受到，其实身边的小花小草。可能他都有想要跟你说一些什么。Allez, vas-y. Ah, parce qu'elle a vu des sauterelles qui passent dans l'air.Les décors étaient très réalistes. J'ai bien aussi aimé les animaux. L'idée que cette petite barrière, finalement, on peut la commander et en mettre tout autour de soi, mais on peut aussi les faire tomber. Je trouve que c'est quand même un message pour que, finalement, tout le monde cohabite sur cette planète, mais fait avec beaucoup, voilà, beaucoup de poésie. Et par cette dernière bête qu'il rencontre, donc le crocodile, il lâche prise. Et ça y est, quoi, il...Il peut enfin se poser avec la nature de qualité. Bonjour. Bonjour, jeune homme. 其实无独有偶，在三年前建立了立泽国际偶戏艺术村，我们改造了这个废弃的谷仓变成一个偶戏的创发中心。那我们也接待国际艺术家来驻村，好，所以这一次呢，我们也很积极的去看其他团队的这个偶戏节目，那因为希望可以促成更多的交流。